waiting for you. Vengeur masqué, tu sais pas qui c'est. Hein. Je suis Fantomas. Oh, ça c'est mon pote, Chouf. C'est mon ami. Un joueur sur lequel un staff, un entraîneur peut compter, je pense. Il apporte une sérénité au sein de l'équipe et ça fait du bien. Un joueur exemplaire, un capitaine, un meneur d'hommes. C'est un grand professionnel et quelqu'un que j'ai toujours adoré rencontrer sur le terrain et même jouer avec lui aussi. C'est quelqu'un qui récupère énormément de ballons, qui se projette vers l'avant. C'est très technique, ça joue. Il joue un jeu propre, à terre, et j'aime bien son façon de jouer. Parce que c'est quelqu'un d'attachant, très rarement je l'ai vu s'énerver. Donc c'est un joueur intelligent, propre techniquement, donc c'est pour ça que son surnom c'était la machine à laver, je crois, à un moment. Donc voilà, donc c'est pas pour rien. C'est le symbole du joueur professionnel. Dans le terme professionnel du voilà, toujours à l'heure, très travailleur, il gère bien sa vie, il gère bien son beau corps. J'ai regardé la lumière. C'est un super mec que je connais depuis sa formation de l'OM. Pour moi c'est un exemple, un modèle et j'aimerais faire la fin de carrière comme il a fait, c'est-à-dire la meilleure santé possible et faire les matchs qu'il fait. Par contre, il va à 2 à l'heure. Il a une carapace. Il va à 2 à l'heure. Ah, des fois, on fait des concours de vitesse, tous les deux. Je gagne. C'est moi qui vais plus vite, donc c'est pour ça qu'il arrête. Il a 46 ans, toujours là dans le football. J'espère que Chouf l'aura récupéré. Parce que là, ça commence à... la chaleur commence à durer. Bon, pas que pour Chouf, hein, mais... Ils annoncent canicule. Ils annoncent canicule, en plus. Qui doit être mis en place. On aime bien se chambrer tous les deux. On adore se chambrer tous les deux, donc... on rigole bien. Quand t'as mis la tête, t'as vu quand t'as mis la tête? T'as pas vu ce que t'as fait après? T'as fait ça. Ça, c'était tout en finesse, mais ça, c'est là où on voit le joueur d'expérience. C'est qu'il sait exactement ce qui va se passer, en fait. Donc, il met le ballon, il sait que Eric, il va jouer le gardien. Il va tamponner le gardien, le ballon rentre. Ça, c'est, il n'y avait que lui qui l'avait vu. Mais c'est ça, les joueurs qui sont... T'as le joueur, puis t'as le top. Tu vois ? Je lui avais dit qu'il allait à Saint-Raphaël, parce qu'il a les genoux pourris, il a le dos... Il a toutes les chevilles éclatées, il avance plus. Je lui ai dit qu'il était cuit, il ne voulait pas m'écouter. Donc maintenant qu'il arrête. Avant chaque réunion, il aimait bien faire quelque chose. Et à chaque fois, il mettait sa main dans sa poche et on entendait le bruit des clés. Il avait toujours la clé du match. À chaque fois, après le repas, le café, on restait pas mal de temps au bar pour boire le café. Donc ça, c'est vraiment des trucs sympas. Ça, je vais m'en rappeler parce que c'est vrai qu'on pouvait peut-être rester même... trois quarts d'heure, une heure en bas, même la veille du match, discuter, donc c'est bon moment. Vous gouvernez vraiment. Ta veste. Vas-y, remets ta veste. Pourquoi ? Elle est à l'envers, c'est pour ça. C'est pour ça que tu me dis ça ? Moi, je le vois rester dans le foot, c'est vrai que je pense que s'il y a une opportunité de rester à l'OGC Nice, je crois qu'il va en profiter. Ouais, il fera quelque chose, mais voilà, c'est toujours pareil, ça sera réfléchi, je pense qu'on...
comme par rapport à son caractère. Et non, après, je sais pas exactement, moi, ce qui... Enfin, voilà, on n'a pas encore parlé de ça, quoi. Maison de retraite pour les footballeurs qui n'arrivent plus à avancer. Donc, lui, ça va être le porte-drapeau de sa fondation. Donc là, il faut peut-être lui réserver une petite place quelque part, à côté du tribunal. Voilà, il y a une fontaine, on peut appeler la fontaine Olivier Chouafny. Hein, voilà. Chouf, félicitations pour ta carrière. Tu vas nous manquer sur les terrains et voilà. Mais je sais que je ne me fais pas de soucis pour toi pour la suite. Je sais que tu resteras dans le monde du football, mais encore félicitations pour tout ce que tu as apporté, ce que tu m'as apporté. Et c'est vraiment un plaisir de t'avoir côtoyé et de rencontrer un tel joueur. Chouf, je te souhaite le meilleur dans ta future vie professionnelle et puis dans ta vie de famille, et que voilà, que ça continue bien et puis qu'on reste en contact. C'est un plaisir déjà de pouvoir côtoyer Chouf, de pouvoir évoluer avec un joueur avec une carrière aussi complète, on va dire. Bon, je crois qu'il peut être fier de tout ce qu'il aura accompli et c'est vrai que il y a des joueurs comme ça qui laissent pas indifférent, parce que je pense que partout où il est passé, il aura été apprécié. Et voilà, ça reste un... Outre le football, ça reste un ami et une personne avec qui je suis encore en contact et que j'apprécie énormément. Moi, j'espère que tu reviendras en tant que dirigeant au moins, et sinon je te souhaite bonne chance et merci d'avoir été plus que sympa avec nous, et vraiment, t'es un homme bien.